Bonjour à tous, c'est Mephil et aujourd'hui on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis et surtout sur le compte secondaire pour parler de Sephiroth X2. Parce que oui, si j'arrive avec le compte principal à rouler sur beaucoup de choses, le compte secondaire un peu plus free-to-play, vous le voyez ici, avec ses 60 petits cristaux, éprouve un petit peu plus de mal sur certains contenus. Et du coup, ça se rapproche un peu plus de votre, entre guillemets, réalité pour ceux qui se vouent totalement free-to-play et qui voudraient du coup avoir un avis free-to-play sur ce qui vient de sortir, ce qui apparaît. Alors, même si ça peut choquer d'entrer comme ça en voyant direct l'arme de Sephiroth OB9 et l'arme de Cloud OB9, ce compte est totalement free-to-play, hormis le petit pack que je rappelle tout le temps, le petit pack à 3€ pour avoir un voucher, en tout cas de costume, pour acheter le costume de Lucia. Quoi qu'il arrive, ce fight, il faut comprendre une chose, pas besoin d'avoir des grosses armes, même si elles servent quand même un petit peu. Ce qui va jouer, ça va être votre tactique. Et beaucoup font tête baissée en disant « je vais DPS à mort, et c'est ce qui va fonctionner. Let's go le mode auto pour les plus aguerris d'entre vous. » Mais ce combat contre Sephiroth, et donc surtout sur le Crash Battle qui sortira, je l'espère, du coup, cette semaine, on va voir un petit peu tout ça. Si vous avez déjà commencé le fight, on peut voir déjà juste sur la fiche du personnage qu'il est insensible du coup à la baisse d'attaque physique, à la baisse de défense physique, à la baisse d'attaque magique et à la baisse de défense physique. Donc ça veut dire que pour contrer ces mécaniques, il va falloir que nous, on se buffe. Voilà. De plus, ce fight est un peu spécial parce qu'il va du coup demander plusieurs sigils et surtout en fait, il va s'infuser. Pendant qu'il va s'infuser, il va tout simplement passer dans un état sensible à la terre, mais résistant au vent, et dans un deuxième temps, sensible au vent, mais résistant à la terre. Et puis après, il repassera dans des phases où sensible à la glace, et puis ensuite sensible au feu. Bref, il alterne un élément fort avec un élément faible, et on va jouer là-dessus. Par contre, attention, lors de ces phases d'infuse, il va du coup déclencher une phase de sigil, du coup une phase où on va devoir le break avec potentiellement, moi j'en ai pas et vous allez voir pourquoi, mais potentiellement du coup ces petites phases, je m'excuse, on est sur émulateur aujourd'hui, ces petits sigils ici là qui sont en forme de croix, de rond, de triangle, de losange. Voici la team que je vous propose aujourd'hui qui peut bien entendu être une team free to play. Elle se base essentiellement sur un healer, peu importe lequel que c'est, Iris, Matt, vos healers Barrett avec, ici, les All Cure Spell que vous avez dans vos petites matérias là. Peu importe, il vous faut un heal. Voilà, là vous avez vu, mon heal est à 1828, on pourrait le monter un petit peu. J'ai pris le Mithril Rod ici, parce que vous avez vu, j'ai pas non plus tant que ça d'armes qui sont assez montées. Et du coup, voilà, je pense pas avoir besoin de l'autre. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, je l'ai mis de l'autre côté. Bref, on pourrait partir là-dessus pour monter un peu l'île, mais je perdrais en DPS. Donc, je suis resté là-dessus. Si vous avez quelque chose qui peut faire un peu plus de DPS en plus, je pense à son arme de glace que je n'ai absolument pas ici, ou son arme de vent qui est ici. Enfin bref, quelque chose qui peut augmenter un petit peu votre DPS. N'hésitez pas, mais essayez de garder à peu près 1800, 2000 de heal, ça serait pas mal. Notre healer, on va lui mettre du coup un heal en AOE et une cura qui sera seulement un heal en, un heal brut, voilà, tout simplement. C'est pour ça que je préconise quand même d'avoir Iris ou Matt pour heal, tout simplement avec une AOE, et non pas de mettre une cura en AOE, même si ça ne compte que sur une seule magie. Ça, il faudrait que je vous retrouve une arme en fait tout simplement qui a ça, mais est-ce que la question c'est est-ce que j'en ai chopé une, ne serait-ce qu'en 4 étoiles, ça va être that is a question. Oui, on a le micro laser. Ok, merci les bugs graphiques, tristesse, j'imagine avoir de micro laser. Bon, on va filtrer par arme, je suis désolé, ça paraît un peu brouillon tout ça, mais c'est vraiment histoire de vous donner la plus grosse explication, me dit pas que c'est... Voilà, killer, attends, c'est bon. C'est parfait. Ça veut dire tout simplement que sur votre micro laser, donc une arme pour Barrett, si vous avez effectivement une arme, une materia cure qui va se mettre du coup dans le troisième slot de votre arme, du coup, tout simplement, elle va heal tout le monde. Mais si vous mettez une materia cure sur la première slot, ça sera une cure normale qui ne perdra pas du coup les 40% de bonus qui lui sont attribués. Et du coup, dans ce cas-là,
C'est parfait. Donc, on peut avoir n'importe quel healer avec une cura AOE et une cura single target, tout simplement pour une seule personne, histoire d'avoir un heal assez fort. Bon, là, vous avez vu que c'est un heal simplement qui est à 92%. En 4 étoiles, vous passez à 96%, et je crois qu'en 5 étoiles, vous passez à 100%. Donc, bref, une 3 étoiles fera totalement l'affaire. Et ça, c'est la 3 étoiles qu'on nous a offerte au début. J'ai pas eu de chance sur le proc de heal, j'ai 3,7, alors que sur le compte principal, je suis à 6,5, je crois. Mais on a eu un petit peu de P attaque, mais ça ne sert à rien sur Aeris. Bref, donc, en termes de materia, donc, on va prendre une materia pour heal, une seule personne. On va prendre une materia devant, une materia de terre, parce que je vous ai expliqué qui va passer en infusion d'abord de terre, donc qui sera sensible, d'abord de vent, donc qui sera sensible aux terres, et ensuite infusion de vent, de terre, donc qui sera sensible au vent. On va y arriver. On prend du coup, moi je garde toujours cette petite LB de heal, parce qu'elle fait le travail, et de l'autre côté, j'ai mis une arme qui me permet d'avoir du heal supplémentaire, une arme qui m'augmente ma vie, parce qu'on essaye d'avoir autour de 6K, 5, 7K si possible, de vie, surtout sur des persos 65 maintenant, et j'ai pris une autre arme avec de la vie, mais qui m'augmente effectivement ma PDF, qui est actuellement qui a été offerte avec du coup la Hell House, pour ceux qui étaient là, et de toute façon, qui sont arrivés avec l'arrivée de Steam, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que ceux qui sont là depuis le jour numéro 1, je pense que vous avez tous passé ce fight extrêmement facilement. Côté deuxième DPS, vous allez prendre un DPS qui va taper relativement fort et voilà, en fonction de ce que vous avez, une Tifa Glace par exemple pourra très bien faire l'affaire. Quoi qu'il arrive, il faut essayer au moins d'avoir 2008 à 3000 d'attaque, peu importe, soit en P attaque ou en M attaque, ça serait pas trop mal. Et d'avoir un petit peu de HP, donc là vous avez vu que j'ai 6000 de HP. Quoi qu'il arrive, j'ai pris Sephiroth, pourquoi? Parce que de 1 j'ai son costume, de 2 j'ai son arme, mais parce que l'arme qui nous a été offerte est extrêmement utile dans cet event là, la Thornwings, enfin la Thornwings tout simplement, il n'y a même pas de H, parce qu'elle donne un buff de PDF. Et ce buff de PDF peut être utilisé avec une barrière lambda, mais là ça nous permet de pouvoir avoir un healer et quelqu'un qui va buffer au cas où pour contrer les Octoslash tout simplement. Ici, on est sur un Sephi qui est glace, donc on a mis une LB de glace, son arme est de glace, et on arrive à avoir 3002 parce que son arme est au B9. Vous êtes peut-être un petit peu en deçà. Quoi qu'il arrive, on va mettre une materia vent, une materia terre, donc on est en magique, hein, vous ne trompez pas. On est sur une Aura et une Quakara. Et de l'autre côté, on a mis un renforcement de M attaque, un renforcement de HP et de PDF, et un renforcement d'attaque générale, histoire de booster un petit peu tout ça. Voilà. De l'autre côté, on va avoir un autre DPS, donc là on va prendre Cloud. Cloud qui a eu son costume de base, du coup, de foudre avec sa Murasame que vous avez depuis le début, qui est de foudre aussi. Donc là elle est au B9, elle est passée tout juste au B9 il n'y a même pas un jour, il manquait une part. Et on a cette P attaque qui est à 3000, mais 2008 ça passe aussi. Vous avez vu, même mon Ramu n'est même pas augmenté niveau 5, mais ça fait quand même le travail ici. On est sur une Quakera Blow qui est niveau 6, qu'on pourrait augmenter un petit peu, mais bon, je vais laisser niveau 6 pour vous montrer que ça fonctionne quand même. Le compte secondaire, il faut vraiment que je me penche sur les matérias, enfin bref. Et une aéroa bleu, voilà, histoire d'avoir les deux sensibilités. Si vous avez regardé, je n'ai aucune matéria qui break les sigils. Pourquoi? Parce qu'on peut largement encaisser ses attaques, c'est pas un problème. En arme secondaire ici, vous mettez de quoi pouvoir augmenter votre DPS. Si vous avez n'importe quelle arme, vous pouvez monter n'importe quelle arme, mais de quoi augmenter votre DPS, beaucoup auront cette arme, je pense, au B2, au B1, au B6, pourquoi pas, qui fera beaucoup plus de dommages quand même, mais sinon on pourrait, moi j'ai lâché cette arme pour avoir du coup le boost P attaque niveau 7, on rappelle que 55 est le palier pour avoir ce niveau 7, vous aurez pu caler la Buster Sword pour augmenter vos HP, mais je perdrai un petit peu plus, parce que là je descends quand même en P attaque 5, ce qui est dommage, mais qu'on pourrait compenser avec des sub-équipes. En sub-équipe, on a mis du coup des HP, et j'ai augmenté ici un petit potentiel de foudre pour augmenter mes dommages faits avec la foudre. Ça augmente mes dommages faits avec du coup la Murasame, et bien entendu ma Summon, mon Ramu. De l'autre côté, on a augmentation de l'attaque, bon là on a augmentation de la LB, mais ça sert à rien avec une Summon, mais j'ai pas 50 000 trucs. Pourrait passer là-dessus, je perdrais un peu. On pourrait passer là-dessus, mais je perdrais en PDF. Non, c'est même pas ça, pardon, je dis une bêtise. Parce qu'on est sur du. Il n'a toujours pas enlevé. Tac, j'étais sur Vivi Magical Gun. Donc on pourrait passer effectivement sur cette fameuse arme de Barrett qu'on a, nous, voilà, au B5. On pourrait augmenter au B6, hein, mais il fait un effort quand même et qui m'augmenterait mon boost ability potency. Donc on pourrait partir là-dessus, et c'est ce qu'on va faire. Je ne vais même pas l'augmenter 80, on va laisser comme ça, histoire de monter. La dernière arme, on a mis une arme qui est offerte aussi dans cet event, qui augmente du coup l'attaque et la PDF. Tout le monde, comme ça, a de la PDF sur lui. On a à peu près voilà, 115, 133 et 123. Voilà, parce que l'ennemi tape beaucoup en physique, mais également en magique.
Allez, sans plus tarder, on va lancer ça. Hop, vous allez bien entendu jouer en manuel. Pour ceux qui galèrent un peu, ceux qui sont en auto et qui l'ont passé, vous n'avez pas besoin de cette vidéo. Et je vous remercie du soutien que vous apportez à la chaîne en regardant cette vidéo jusqu'au bout. Ça fait extrêmement plaisir. Et là, on peut passer. On va enlever tout ça, on va se mettre sur notre île et on va laisser faire nos amis. Quoi qu'il arrive, Sephiroth va nous attaquer et va nous balancer sa plus grosse attaque qui va nous mettre à 1 HP. Donc là, on laisse la jauge se charger au maximum et on se prend l'attaque. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas la réduire. Donc après, il y a deux écoles, soit je switch avant, je heal et je re-switch après, soit je switch maintenant, je heal et ensuite il me faudra un petit laps de temps pour me remettre dedans. Ensuite, mes messieurs vont attaquer. Et on repasse sur mon heal, qui va se heal à nouveau elle-même. En tout cas, se remonter au maximum, parce que là, le Shadow Flare est une attaque de zone magique. Donc, il faudrait que tout le monde soit opérationnel pour pouvoir encaisser cette attaque. On l'encaisse, bien évidemment, en mode défense. Ça va nous faire à peu près 3K. Voilà, 3K5, en fonction de votre défense magique. On re-switch en attaque pour que les autres aient le temps de passer à 50%, d'attaquer pour les deux. Ici, on est en Wind d'infusion, donc moi je vais me heal parce qu'il va me taper. Et la Wind d'infusion va laisser faire les autres, mais voilà, on est sur du Quakera. Et vous avez vu qu'on fait du 6K de dommage plutôt que de défendre ici. Nous, on va pouvoir encaisser son Shadow Flare. Je reste bien entendu sur ma heal, je heal tout le monde, je remonte pour pouvoir encaisser le Shadow Flare. Ils sont sensibles du coup au Quake. On va remonter tout ça, voilà, Quakera. On laisse faire, vous avez vu, là je suis en mode vraiment gros feignant. On laisse faire, parce que j'ai besoin que tout le monde soit remonté. C'est pas grave si on baisse pas, quoi qu'il arrive, il faut qu'on baisse son DP, il faut qu'on baisse sa vie le plus possible, hein, c'est le but un petit peu de tout ça. On switch sur le Quakera, on va attendre un petit peu juste avant pour se heal, hop, rester en mode défense, et là on va pouvoir prendre son Shadow Flare, c'est la même attaque qu'il a fait juste avant, qui nous sédate, donc la sédation ça ralentit du coup la charge de la LB, nous on s'en fiche un petit peu, parce que le DPS est plus important du coup avec nos petits Quakera, etc. Donc là on peut absorber... re-switcher, bon, ils sont en train d'attaquer, dommage, on aurait voulu attendre le 50% pour relâcher quelque chose. Donc là on va faire ça, repartir sur Aeris. Votre but du jeu dans ce fight c'est seulement vous heal, attendre les deux phases d'infusion. Sephi, tu peux attaquer s'il te plaît, hop. Voilà, on se heal tout le monde. On est passé en Earth and Fusion. Donc là maintenant on part sur du Aeroa. Voilà, on fait du 6K quand même, c'est assez intéressant. Ici on va se reprendre son Shadow Flare, c'est la même attaque que tout à l'heure. Donc c'est pas très grave. Et on va presque le mettre, je pense qu'à la fin on va le mettre à mid-life. Ce sera une très bonne chose. On va laisser les deux attaquer. Nous on va hop, et re-switcher tout de suite. Voilà. On est pas mal en termes de HP, pardon. En termes de vie, je voulais dire, c'est pas mal. Et puis on a un peu le temps, donc on va attendre un petit peu. Il va m'attaquer. On va régénérer un petit peu tout ça. Voilà, on va se heal sur le côté, histoire que... Tac, on va rester en défense, on perd un petit peu, c'est pas très grave. Comme ça, ça me permet de, juste après son attaque, re-switch tout de suite en attaque. Alors, on va reprendre 3K5, c'est daté, c'est fini, un peu dans le mal. On va attendre avant de lancer vos summons, hein, que vous soyez au maximum. Voilà, là on peut relancer ça tout de suite. Aeris va pouvoir... Même pas, on va heal tout le monde. D'accord, mais on va pouvoir attendre, là ici on va pouvoir lancer les summons en tout cas. Et il nous fait une attaque qui va nous mettre à 1 PV. Earthless Angel, ça nous met à 1 PV, donc on sait qu'avec Aeris on va devoir remonter la vie rapidement de cet allié qui sera à un seul PV. Donc la Cura a totalement sa place ici. Voilà. Ici il reste un quart. Tranquillement, Aeris est pas mal ici. Moi, je vais faire la petite technique où je laisse l'attaque augmenter, ça me permet d'être au maximum. On va se mettre en mode défense, on va soigner tout de suite ce Cloud. Et on va repasser en mode attaque. Et là on voit que notre ami va se faire attaquer par un Octoslash. Donc là l'Octoslash c'est une attaque physique. Donc Sephi tout de suite a lancé une solide barrière. Nous on laisse faire. Voilà, solide barrière est bien lancée. On a besoin de remonter notre allié avec un Cura. Ici mon Sephi a besoin de balancer effectivement une solide barrière. Voilà, donc on est buff à 3 de PDF. Qui va me permettre de pouvoir encaisser sa petite attaque ici là, voilà, en mettant Cloud assez mal, mais sans ce buff, parce que vous avez vu que j'ai pas réussi à monter plus haut que ça sa vie mine de rien. C'est un petit heal check. Tac, on va switch sur Cloud pour essayer d'atteindre les 50% ici, voilà, et pouvoir balancer tout ça. Bref, il m'attaque à gauche à droite pour switcher un petit peu sur votre healeuse.
vous attendez son cura, vous balancez pour tout le monde, parce que tout le monde s'est fait taper. Ici, on attend le 50% pour balancer vos petites aptitudes. Voilà. Ici, j'aurais peut-être dû me mettre en mode défense pour le stun. Voilà, donc là, on le DPS rapidement. Normalement, tout le monde est censé pouvoir break cette petite phase de Masamune. C'est pas la plus compliquée. Ici, on va pouvoir, nous, se heal calmement. Voilà. Bon, il y a une solide barrière qui est partie. Merci, Sefi. Tac. Il va nous remettre un petit Octoslash. Cette fois-ci, il nous le met sur notre ami Iris. Donc, on va devoir se buff rapidement. On va se mettre sur Sefi. On va se buff. On a le heal qui est passé. On a ce petit heal qui est passé. On va se mettre en mode défense. On va nous se heal avant. Parce qu'on n'est pas sûr qu'Iris puisse voilà, récupérer. Donc là, on sait qu'elle est à plus 3. Parce qu'elle a fait son petit Mithril Rune. Mais même à plus 2, c'était bon quand même. Voilà, on est à peine mid-life normalement. Juste avec plus 2, on serait un peu en dessous. Mais comme on sait bien heal, c'est pas trop grave. Nos copains sont à 50. On va pouvoir balancer leur grosse attaque. D'accord, Iris. Eh bien, on remonte tout le monde, même si ce ne sera pas trop grand chose. On aura pu remonter simplement Iris. On attaque. Donc si jamais vous n'avez pas des armes aussi fortes que moi, bah, du coup vous êtes un peu plus en retard au niveau du DPS, ce qui n'est pas très grave. Vous pouvez aller DPS. Hop, le Hell's Gate tout de suite. On se heal derrière. On s'est mis en mode défense parce qu'on est stun. On va repartir sur une Masamune, sur un Octoslash normalement. Voilà. Et donc là, du coup, après, on va commencer à avoir un petit peu mal. C'est Iris encore qui va prendre. Voilà, on va tout simplement aller balancer notre petit Judgment Blow. Voilà, normalement c'est fini. Dommage, j'aurais bien voulu ne pas que ça se finisse pour qu'on s'attaque quand même un petit peu. Mais vous remontez votre Iris tranquillement avec la compétence de Sefi. Et puis si vous avez le Mithril Rune comme moi avec la compétence de Mithril Rune, et vous encaissez normalement cette deuxième attaque. Et après, au fur et à mesure, il va continuer à le faire. Et là, ça va commencer à devenir compliqué. Mais si vous avez bien des PS en fait en amont, il n'y a pas trop de problèmes. Si vous n'avez pas DPS pendant ces phases en fait de terre et d'air quand ils s'infusent, et bah du coup vous perdez ce DPS et ensuite il va enchaîner à la fin pas mal d'attaques en fait d'Octoslash où il va se buff à chaque fois en dommage physique, il va vous mettre un debuff en défense physique et il va vous one shot après à peu près tous vos personnages. Donc c'est juste une question de temps sur la fin et vous allez manquer de DPS. Le DPS que vous allez devoir faire dans ces deux petites. Simplement ces deux petites infusions. Donc ce EX2 marche forcément pour le X1, vous l'aurez compris aussi, le X1 étant moins compliqué à faire, mais tout simplement ça va fonctionner aussi sur le X3 et sur le Crash Battle. Vous allez avoir besoin, bien entendu, de le DPS. Et là, vous avez vu qu'on prend que 3K sur nos 6K de vie, donc on peut largement encaisser, son attaque, c'est pas un problème, et ça reprend un petit peu la technique que j'ai fait avec Bahamut, où je ne vais pas chercher à break son sigil triangle, je cherche juste à me heal, à me soigner pour pouvoir encaisser tranquillement son attaque. Derrière, je vous ai pas dit, mais sur Sefi et sur Cloud, j'avais pris des matérias qui m'augmentaient ma M-Attack et mes HP, mais j'aurais pu prendre des matérias qui m'augmentent, bien entendu, ici P-Attack, grandement P-Attack et HP, mais qui m'augmentent exactement ma PDF pour résister un petit peu plus aux Octoslash, et voilà. Donc voici pour cette petite vidéo sur le clear de l'EX2, j'espère que ça vous aura été utile, en tout cas j'ai hâte d'avoir la difficulté au-dessus pour voir ce que ça va donner, mais voilà en tout cas l'astuce qu'il faut se servir pour ce fight, pour ceux qui ont un DPS ultra démesuré, bien sûr qu'on n'a pas besoin de le DPS pendant ces phases d'infusion, mais pour tous les autres, et bah, ce petit gain de DPS est grandement appréciable. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut, salut !